Non, mais voilà, l'effectif va bien. Aujourd'hui, c'était une séance beaucoup plus légère. On a laissé le choix à certains de pouvoir rester travailler en salle, de récupérer un peu plus. Il y a d'autres garçons qui sont sortis sur le terrain et d'autres encore qui ont travaillé par rapport au fait que voilà qu'ils étaient suspendus sur le match à venir. Donc, ils ont eu un travail supplémentaire. Il a fait. Non, 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 c'était une séance encore contrôlée, voilà, avec à la fin de la vitesse, c'était une séance légère, c'était un tennis-ballon, donc il n'y avait pas, voilà, mais il rentre pas encore dans l'effectif. Ben, j'espère, ouais, pour l'instant, ça suit son cours, c'est en bonne voie, il fait, voilà, le protocole avance bien, donc oui, j'espère après Marseille l'avoir au moins dans les séances d'entraînement, ouais. Ouais, ben comme j'ai dit aux joueurs, on va attaquer un championnat à 23 journées. C'était une formule un peu spéciale. Il y a eu cette trêve qui est venue casser ce championnat en deux. Et là, on repart sur une nouvelle ère, sur une nouvelle dynamique. Et à nous d'être voilà, le plus performant et le plus près possible dès le départ pour engranger un maximum de confiance. Ouais. C'est pas compliqué, c'est différent parce que c'est pas dans nos mentalités de jouer pendant ces périodes de fête. Donc il a fallu s'adapter, il a fallu aménager des séances dans des périodes où d'habitude les joueurs sont en famille. Il a fallu leur laisser du temps aussi en famille parce que c'est important de partager ces moments-là. Et non, c'est une question d'adaptation, mais c'est vrai que nous on n'est pas habitués à ce genre de rythme, on va dire. Bien sûr, ouais, il va falloir, voilà, je vais dire, on demande beaucoup aux joueurs dans l'investissement, dans les efforts. Et si on veut être performant, à un moment donné, il va nous falloir de la fraîcheur. Donc oui, il y aura du turnover, on aura besoin de tout le monde pour être le plus performant possible. Ouais, c'est une surprise qui a duré quand même. Donc voilà, c'est une équipe qui a de la qualité, qui est très bien organisée sur le plan défensif et qui a aussi voilà, qui a aussi beaucoup de générosité avec le ballon. Donc ils sont capables de mettre leur adversaire en difficulté. Donc ça va pas être un match facile, mais voilà, on a des armes aussi. Donc ce sera un bon match. Ouais. Ben voilà, on retrouve le quotidien, on retrouve la compétition. Maintenant, il y a que la vérité du championnat qui va parler. Alors, on a fait des choses intéressantes sur la préparation. On a encore une marge de progression, mais voilà, se tester à Lorient, ça va être un bon test, comme tu le dis. De l'impatience, oui et non. Voilà, le match arrive, on le prépare sereinement. Je veux dire, moi, ce qui va m'importer, c'est de retrouver voilà l'investissement, la régularité qu'on a pu avoir durant ces 4 semaines de préparation et sur les matchs amicaux. Donc, on va faire en sorte de retrouver ces choses-là. Bah c'est un garçon qui demande encore beaucoup de travail, hein, notamment voilà sur le plan tactique, aussi sur le plan technique. Il découvre le centre de formation. Après, il a des qualités athlétiques indéniables, donc c'est toujours intéressant. Et c'est un garçon qui joue attaquant plus attaquant axial. Alors pendant la préparation, je l'ai utilisé sur le côté, mais c'est sa qualité première, ça reste un attaquant axial. Mais voilà, il y a encore du travail et le fait de le voir avec nous, ça lui donne aussi le gap de sa marge de progression et les axes de travail pour continuer d'avancer. Ouais, c'est un profil qu'on n'avait pas, ouais, mais bon, c'est voilà, il est encore jeune et voilà, comme je te l'ai dit, il y a encore pas mal de travail pour l'intégrer avec nous. Non, je veux dire, ben Léo Leroy a eu du temps de jeu là sur les matchs amicaux. Il a un peu plus joué que d'autres. Voilà, c'est un garçon qui a une qualité technique, qui commence à monter dans l'agressivité. Donc c'est hyper intéressant aussi par rapport à ça. Et c'est un garçon qui commence à se structurer à ce poste. Donc aujourd'hui, il montre des choses intéressantes, comme d'autres garçons aussi dans ce secteur de jeu-là. Après, il y a des choix à faire, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est peut-être lui qui débutera, c'est peut-être lui qui finira pas, et le match d'après, peut-être qu'il commencera pas. Et bon, comme on aura besoin de toutes nos forces, et je vais dire, dans ce secteur de jeu, on est assez fourni et y a pas mal de forces à utiliser. Ouais, je veux dire, ben, un peu comme tous les joueurs, à partir du moment où ils enchaînent les matchs, surtout dans un poste
au milieu de terrain, quand tu gardes le rythme, quand tu peux enchaîner tout simplement, et en plus Léo a besoin justement d'enchaîner pour être en confiance. Donc aujourd'hui il a montré de bonnes choses aussi, donc oui il a enchaîné des matchs quoi. Donc mais après c'est voilà, on travaille avec ça sur Léo, sur le fait d'être régulier sur la durée d'un match, et ça va lui permettre voilà d'être plus performant sur plusieurs matchs. Ouais, ben j'en ai beaucoup parlé avec lui voilà par rapport à ça. Il a fait des matchs intéressants, même l'année dernière aussi, sur certaines rentrées, mais c'est un garçon voilà qui a besoin voilà de mettre un peu plus d'agressivité dans son jeu. Après on sait qu'avec le ballon il est capable de faire des choses intéressantes. Maintenant faut qu'il travaille ce secteur de jeu là sur l'aspect défensif. Non, ben Frédéric Mendy, ben moi je le connaissais très bien, c'est pour ça que voilà, j'avais souhaité sa venue dans le staff. On était avant la trêve en staff réduit quelque part, donc on avait besoin voilà de forces supplémentaires aussi de notre côté pour que les joueurs pour pouvoir bien travailler avec les joueurs. Donc Fred voilà connaît très bien le club, il connaît bien le football aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il nous amène cette envie, il est dynamique, son discours passe bien auprès des joueurs. C'est cette gaieté voilà, qui manquait aussi par moment pour les joueurs. Ouais. Il faut, de toute façon, on a besoin de ça ici dans ce club. Il faut que toutes les forces vivent autour du club, que ce soit ben, voilà, nous dans un premier temps, le staff avec les joueurs, les dirigeants avec nous. On aura besoin des supporters aussi avec nous. Si on veut faire de belles choses, il va falloir que toutes les forces vives soient de notre côté. Ouais. Il y a du mieux, ouais. C'est indéniable, il y a du mieux dans l'état d'esprit. Après, il y a encore des automatismes, des choses à régler, que ce soit sur le secteur défensif pour être encore plus sécurisé. Sur l'aspect du jeu offensif, il y a encore des automatismes aussi à créer. Il y a encore du travail, mais oui, c'est indéniable, il y a du mieux déjà par rapport à l'investissement et à l'état d'esprit qu'on a pu voir à travers ces 4 semaines.